Bonjour Jackie. Mais bonjour. On te retrouve ta Ferrari de 71, la 312 B2. Tu peux nous en parler et tes impressions 50 ans après? Mais oui, avec plaisir. D'abord, elle est de 1972. Pour dire qui elle est, c'est celle avec laquelle j'ai gagné le Grand Prix d'Allemagne en 1972. Alors clairement, de pouvoir reprendre cette voiture aujourd'hui au milieu d'un public si attentif et si passionné, c'est non seulement rare, mais c'est un vrai privilège. Donc, oui, ça a été du bonheur de retrouver cette auto. Vous avez eu le plaisir d'entendre un bruit de 12 cylindres Ferrari Atmos et une jolie musique. Et ça a été un moment formidable pour moi. Et clairement, quand on monte dans des voitures comme ça, c'est un petit peu comme rouler à bicyclette, ça ne s'oublie pas. Il y a encore des réflexes qui sont automatiques. Ton atelier à venir? Prochainement, je devrais aller à Charade, au
dans une quinzaine de jours, le 20 ou 21 mai, le dimanche. Et puis après, il y a le Grand Prix de Monaco, et puis il y a surtout le centenaire du Mans, c'est-à-dire ce moment très historique où l'ACO existe depuis plus de 100 ans. Voilà, vous savez presque tout. Et tes impressions sur le Classic Day au niveau de l'ambiance L'ambiance ici L'ambiance du Classic Day, qu'est-ce que t'en penses? Magique, juste magique. C'est pas par hasard que le Classic Day se connaît ce succès. Il y a, je pense, 1700 voitures, ou à peu près. Il y a surtout cette liberté pour les passionnés d'automobile de voir des collectionneurs, des jolies voitures en tout genre et exceptionnellement, de temps en temps, une très très belle auto qui a une belle histoire et un bel historique. On te remercie, Jackie, et bon Classic Day. Merci.